suis pas venu dans ce monde pour abolir la loi, mais je suis venu dans ce monde pour faire chanter la joie. Fils et filles du bon Dieu, Bolo Sama de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce lundi, deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. D'abord, la première lecture, premier livre des rois, le chapitre 17, versets 1 à 6, le psaume 120, et puis l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, les 12 premiers versets, fils et filles du bon Dieu. D'abord, dans la première lecture, Élie au désert. Le royaume d'Israël a versé dans l'idolâtrie, ils ont oublié ce qui est essentiel. Comme pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Dieu lui envoie la famine et le prive de son prophète. Mais en même temps, il demande à Élie de faire pénitence pour son peuple. Prière d'intercession. C'est ce que nous faisons de tous les jours. Beaucoup disent, est-ce qu'on a besoin de la prière d'intercession? Oui, mais c'est biblique, fils et filles du bon Dieu. Élie de faire pénitence pour son peuple auquel il veut faire miséricorde, fils et filles du bon Dieu. Oui, pendant 3 semaines, nous allons reprendre les lectures de l'Ancien Testament dans la deuxième partie du livre des rois. Cette période de l'histoire du peuple de Dieu recouvre environ 3 siècles de l'an 935, date du schisme en deux royaumes et à l'an 586, date de la destruction de Jérusalem par le roi assyrien Nabucodonosor. Fils et filles du bon Dieu, nous allons assister à la décadence humaine et religieuse du peuple de Dieu. L'idolâtrie, les divisions, les injustices sociales ruinent peu à peu les relations humaines à l'intérieur du peuple d'Israël et en font la proie facile des grands empires voisins. Fils et filles du bon Dieu. C'est pendant cette période que les prophètes interviennent comme les défenseurs de la foi et des combattants pour la justice. Nous entendrons les accents puissants d'Élie, d'Élisée, d'Isaïe, d'Amos pendant ce temps, fils et filles du bon Dieu. Le prophète Élie va intervenir auprès du roi Akab. Le roi Akab est un de ces rois qui profitent du pouvoir pour amasser des richesses prodigieuses aux dépens du petit peuple. Fils et filles du bon Dieu, on en voit encore aujourd'hui dans notre temps. Oui, pendant que ces sujets sont dans la misère sous le coup d'impôts trop lourds, Akab, lui, couche dans des lits d'ivoire dont on a retrouvé les restes dans les fouilles de son palais. Fils et fils du bon Dieu de plus, Akab édifie un temple à Baal et pousse ses sujets à ce culte idolâtrique. Il faut du courage à un homme même, s'il est prophète de Dieu, pour aller dire des vérités à ce roi. Fils et fils du bon Dieu, c'est ce courage que nous demandons et que j'implore le Seigneur pour les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Beaucoup sont tellement dans l'argent de ceux-là qui aveuglent les hommes de Dieu pour qu'ils ne disent pas la vérité, pour qu'ils ne puissent pas aller contre ce qu'eux ils veulent dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre église. Je prie pour les hommes de Dieu au Seigneur. Aide-les à retrouver l'essentiel, annoncer la bonne nouvelle de vérité. Oui, dire la parole de Dieu avec courage produit parfois cette solitude. En fait, pour Élie, c'était un moyen de fuir la police du roi. Il se cache dans le maquis. Oh Seigneur, aide-nous à savoir porter nos responsabilités, même si cela nous lance dans l'aventure et l'insécurité, même si cela nous lance dans la persécution où on nous rejette. Aide-nous, Seigneur. Pour Élie aussi, ce fut le début d'une vie d'ermite solitaire dans laquelle on a vu l'origine de la vie monastique. Se retirer dans certains déserts pour vivre seulement avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Au sein d'un monde qui renie Dieu pour se jeter sur les nourritures terrestres et les plaisirs d'ici-bas, le moine affirme par sa vie, Dieu seul suffit.
fils et filles du bon Dieu. C'est ce que nous devons affirmer dans notre vie, dans le quotidien de notre vie. Dieu seul me suffit. Dieu seul suffit. Suffit dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 5, les 12 premiers versets. Fils et filles du bon Dieu, le bonheur que donne Jésus. Oui, Jésus apporte aux hommes et aux femmes le bonheur auquel Dieu les appelle. Encore faut-il qu'ils le reçoivent. Aussi, dès le commencement de son premier discours, le Christ proclame quels seront les bénéficiaires du don offert par lui à tous les hommes, à toutes les femmes. Voilà pourquoi les béatitudes, qui sont le chemin pour le royaume des cieux, sont des chemins pour le bonheur pour tout un chacun de nos fils et filles du bon Dieu. Essaie de mirer ta vie par rapport aux béatitudes. Essaie de regarder ta vie par rapport aux béatitudes afin que tu puisses revoir ta vie. Ce texte, même au niveau des groupes ou mouvements, doit être proclamé. Même au niveau des partis politiques, proclamez ce texte pour revoir votre vie, pour revoir votre cahier de charges, fils et filles du bon Dieu. Oui, Dieu veut le bonheur de tout un chacun de nous. Dieu a créé l'homme pour le bonheur. Il suffit d'ailleurs de regarder autour de soi et de son propre cœur pour constater combien l'homme aspire au bonheur. C'est vrai, c'est une vraie course à vie des fils et filles du bon Dieu. Mais avec le Seigneur, nous allons vers ce bonheur. Les pauvres, les doux, les affligés, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les pacifiques, les persécutés, sont les privilégiés de Dieu. Dieu est dans la joie. Dieu vit dans le bonheur. Il veut que chacun de nous puissions demeurer dans cette joie, fils et filles du bon Dieu, dans ce bonheur qu'il donne à l'humanité, fils et filles du bon Dieu. Le bonheur pour toi est celui d'un homme qui lutte, qui grandit, qui ne se laisse pas abattre. Ce sont des béatitudes un peu héroïques, difficiles, mais qui emmènent chacun de nous vers le bonheur, fils et filles du bon Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Il veut que chacun de nous puissions demeurer dans sa miséricorde. Il nous indique l'essentiel de notre vie, c'est mettre l'homme debout. L'homme face à la justice de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Car le royaume des cieux est à eux. Ils posséderont la terre, ils seront consolés, ils seront rassasiés, ils obtiendront miséricorde, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. Le royaume des cieux est à eux, fils et filles du bon Dieu. Jésus aurait promis aux pauvres une revanche sur les riches, mais ce n'est pas à ce niveau qu'il se place, du moins dans la version de l'évangile de Saint Matthieu, fils et filles du bon Dieu. La transformation qu'il propose se situe au niveau du cœur, au niveau de la personnalité profonde. Mais c'est bien une révolution, une sorte de renversement, fils et filles du bon Dieu, des valeurs courantes. Voir Dieu, avoir le royaume des cieux, être fils de Dieu. Il y a un lien étroit dans notre relation avec autrui, qui a une conséquence dans notre relation avec Dieu, vice-versa, fils et fille du bon Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Si tu détestes ton prochain, ça veut dire que tu détestes de Dieu, fils et fille du bon Dieu. À nous de revoir notre copie, notre relation avec le Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Reviens à l'essentiel, oui. La solution totale, la véritable grandeur de l'homme, sa promotion essentielle, qui ne nie pas les autres, le type social et humain, est en Dieu, fils et fille du bon Dieu. Oui, toi qui pleures, disons, vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui avez faim, soif d'autres choses, c'est que le bonheur est déjà à votre porte. Parce que le Seigneur va essuyer vos larmes. Il essuie nos larmes. Si vous comprenez que le don actuel de l'amour de Dieu est plus grand que votre peine et votre insatisfaction. Parce que Dieu est là pour vous apporter le bonheur, que le Seigneur puisse essuyer vos larmes, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie, depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint-Julien de grâce, le bénédiction, nous n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de béatitude en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.
Par ta vie tu es un apôtre, celle de la terre et lumière. Aimez-vous les uns les autres, les enfants d'un même père.